Bonjour les amis, alors aujourd'hui, pour vous permettre d'avoir une super rentrée, pour vous permettre d'être encore plus aminci, comme vous le voyez ici sur la vidéo, je vais vous donner des exercices simples pour vous permettre d'arriver pour cette saison en pleine forme, en ayant minci des joues. Alors comment est-ce possible? Alors d'abord, deux choses prioritaires. L'alimentation. Si vous voulez mincir des joues, il va falloir boire beaucoup d'eau, au moins 2,5 litres, car l'eau, si vous ne buvez pas assez, est stocké prioritairement au niveau du visage, au niveau des joues, au niveau ici en bas, en haut, et ça va gonfler. Ça va gonfler au niveau des yeux, ça va vous faire ce style que vous pouvez avoir quand vous êtes bouffi, tout simplement parce que le corps va stocker principalement l'eau au niveau des joues. Donc si vous n'avez pas assez d'eau, l'eau va être stockée. Donc buvez, 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 et vous allez éliminer cette eau qui vous fait un aspect bouffi. La deuxième chose, supprimez ou réduisez au maximum le sucre et le sel qui, là aussi, vont stocker l'eau dans les cellules et principalement, comme vous le savez, donc au niveau des joues. Troisièmement, arrêtez l'alcool. Voilà, il faut absolument que vous ne buviez pas d'alcool, sinon vous allez effectivement être encore plus bouffi. Et puis dormez, dormez correctement. Voilà, ensuite, au niveau des exercices, je vais vous en apprendre 6 aujourd'hui. 6 exercices qui vont vous permettre, si vous le faites en 2 semaines, d'avoir des super joues, des joues très creuses. La première chose à faire, eh bien, c'est d'ouvrir la mâchoire. D'ouvrir la mâchoire plusieurs fois dans la journée. D'ouvrir bien la mâchoire. Vous voyez, ça fait déjà un travail au niveau des joues. La deuxième chose, c'est de manger du chewing-gum. Voilà, pendant 15 jours, mangez du chewing-gum et voyez les gestes que vous êtes en train de faire et qui vont permettre de stimuler les muscles. Oui, ce sont des muscles. Et il faut à la fois travailler l'alimentation comme tout muscle pour ne pas apporter trop de sel et trop de stockage, un petit peu comme une sorte un petit peu d'œdème, je ne vais pas dire de cellulite, mais d'œdème si vous n'aviez pas assez bu, mais surtout apporter de la musculation. Parce que non seulement ça va étirer les muscles, mais en plus ça va permettre de consommer des calories. Voilà, et de brûler donc les graisses. Voilà, la troisième chose, alors là je vais arriver au moment extraordinairement drôle de la vidéo, c'est de faire ce qu'on va appeler le XO. L'exercice du XO, vous faites 15 fois cette série en la faisant 3 fois par jour. XO, XO, XO. Vous le faites 15 fois, 3 fois par jour. N'allez pas trop loin, parce que sinon vous allez avoir des crampes et je ne voudrais pas non plus que vous vous déchaussiez la mâchoire. La quatrième exercice, c'est de pouvoir faire la murène. Et le cinquième, c'est de faire le poisson-lune. Voilà, si vous faites ces 5 exercices plus le 6e qui est de sourire, de remonter donc les muscles des joues, eh bien vous allez effectivement permettre de stimuler les muscles et en 15 jours, je peux vous assurer, vous allez trouver un super visage à la serpe. Mais surtout, surtout, surtout l'exercice le plus simple, souriez. Souriez le plus souvent possible dans la journée. J'espère que cette vidéo un petit peu drôlatique et un petit peu surprenante vous permettra de voir qu'il y a toujours des solutions à ce qui est un challenge. Allez, bye bye, à la semaine prochaine, merci.